Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jean Photo Photographe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à obtenir cette photo. D'abord, je vais vous montrer donc la prise de vue, quelques images de la prise de vue, mais surtout, je vais enchaîner par la retouche sur Capture One et la retouche sur Photoshop. Voici les photos que j'ai sélectionnées. Celle-ci, j'ai déjà un peu pré-travaillé sur Capture One. Mais je vais partir sur cette photo. Donc, pour commencer, je vais aller travailler un peu donc l'exposition. Je vais la diminuer juste un tout petit peu. Voilà. Contraste, je vais rajouter un tout petit peu de contraste comme ça. Luminosité, j'aime bien comment elle est. Je vais juste la diminuer un tout petit chouïa. Les hautes lumières, hop, un tout petit peu. Ensuite, pour les ombres, je vais juste diminuer. Voilà, comme ça. Point blanc. Voilà. Là, le point blanc, je vais diminuer parce que j'ai envie de. Le fond va être. Là, il est trop clair à mon goût. Donc, je vais travailler ce fond après pour diminuer un tout petit peu. Là, pour le ramener un peu plus bleu que ce qu'il est. Du coup, je vais profiter pour répondre à des questions que j'ai eues donc, sur Instagram et d'autres par message par rapport au fond. Il faut savoir qu'en photo, il y a la règle du carré de l'inverse qui permet en fait, selon la distance de la lumière par rapport au fond, vous allez avoir un fond plus ou moins clair. Donc du coup, plus la lumière va être proche du fond, plus le fond va être un peu plus contrasté. Voilà. Ensuite, on va juste diminuer un tout petit peu. Voilà. Ensuite, hop, je vais aller sur. Non, c'est là. Je vais aller sur la courbe qui est là. Et je vais juste mettre des petits points. L'avantage sur Capture One, c'est ça. C'est-à-dire que les outils, on peut aussi les sortir, les agrandir comme ça. Ça permet d'être un peu plus minutieux par rapport à ce qu'on va faire. Donc là, voilà. Là, je vois un peu ce que ça donne avant, après. Donc ici, hop. Voilà, donc pour la courbe, je remets l'outil. Je remets l'outil là.
Donc voilà, on est déjà bon donc de ce côté. Donc maintenant, je vais faire des ajustements sur le fond. Donc la première chose, donc je crée un calque. Donc je tape fond bleu. Je vais donc dans l'éditeur de couleurs. Je vais sélectionner de cette couleur. Je vais voilà, ça aussi comme ça à fond. Et ensuite, là, je vais descendre un tout petit peu comme ça. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ensuite, je vais prendre là, comme ça, je vais monter 5. Attends. Là. Ici, je vais refaire un nouveau calque rempli comme ça. Je vais prendre le bleu là. Comme ça. Voilà, je suis à peu près bon par rapport à ce que je souhaite par rapport à cette couleur. Je vais mettre fond bleu 2. Aussi avant, après. Ensuite, je vais aller dans les rouges. Tac, tac. Voilà, je vais un tout petit peu. Et là, du coup, il y a un petit effet quand même sur le visage. Donc voilà. Là, vraiment, je suis à peu près bon sur ce que je souhaitais faire. J'ai bien. Voici le avant. Après, ma retouche sur Capture One. Donc, j'ai vraiment changé le fond pour qu'il soit vraiment très bleu. Et donc, maintenant, je vais ouvrir l'image sur Photoshop. Donc maintenant on est sur Photoshop et ce que je fais, donc je duplique le calque et là les premières choses que je vais venir faire c'est travailler retouche la retouche de peau. Donc voilà, ici l'image elle est assez grande, donc on n'est pas vraiment focus sur le visage, ça va être une retouche assez globale, mais bon, je prends toujours le temps de travailler un peu le visage et la peau.
pour avoir un rendu optimal. Maintenant, je vais travailler. Donc, j'ai mon script, donc qui est un genre de dodge and burn, qui me permet en fait de travailler encore un peu plus la peau avant de faire la séparation de fréquence. Là, donc, j'ai un calque noir et blanc. Voilà. Ici, j'ai mes calques dodge and burn. Et là, j'ai en fait, c'est un calque qui permet de flouter l'image. Hop, comme on voit là. Hop. Là, l'image est un peu trop sombre, donc du coup, ce que je vais faire, je vais aller sur cette courbe. Je vais diminuer un peu l'opacité. Voilà. Hop. Et donc, je viens comme un dodge and burn. Je prends mon pinceau avec opacité 100% et un flux de 1%. 1 ou 2%, ça dépend de chacun. Et là, je vais venir travailler un peu. Je me déplace comme ça. Maintenant, ici je peux vous faire le avant, après, c'est vraiment subtil, c'est léger. Hop. Avant, après, avant, après. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je supprime ce calque, je supprime le flou qui est là, voilà. Et maintenant, je regroupe CTRL G pour regrouper les calques. Et là, voilà, vous voyez la différence, c'est subtil, mais ça fait la différence. Hop, voilà. Maintenant, je vais faire, j'aplatis tout. Et là, je vais faire donc la séparation de fréquence. Donc, j'ai un script qui me permet de faire ça. Hop. Avec un pinceau humide. Et donc du coup, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, pour ma séparation de fréquence, très souvent, je mets toujours les deux images comme ça, pour toujours avoir une vision un peu global de ce que je fais. C'est vraiment un truc que, surtout quand vous débutez, là maintenant j'arrive maintenant à travailler sans faire ça, mais quand vous débutez c'est bien de faire ça, ça vous permet de pouvoir visualiser et de pas attendre de dézoomer pour voir en fait que vous avez fait n'importe quoi. Pareil, je vais accélérer cette étape. Comme ça, on se retrouve tout à l'heure. Hop. Voilà, donc du coup, là, j'ai fini donc la séparation de fréquence. Et maintenant, voilà, le avant, après, avant,
Après, là on est bon. Et du coup maintenant, ce que je vais faire, c'est du dodge and burn. Donc, hop. Du coup, pour le dodge and burn, là, c'est un truc assez global. C'est vraiment les zones claires, comme ça. Je m'attardais un peu sur la bouche pour renforcer un peu. Et après, je vais travailler les yeux un peu. Je vais donner un peu plus de peps. Mais il faut le faire vraiment de manière subtile. Il ne faut pas vraiment exagérer. Donc là, je vais venir comme ça. Je passe dessus. Hop, un peu comme ça. Déborder là. Hop. Et donc du coup, je travaille avec l'opacité, je diminue drastiquement ce que j'ai fait. Faut vraiment que ça soit léger. Voilà, mon image est terminée.